Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter notre émission, les 6e D partent en live. Je m'appelle Honoré. Et moi Laure. Et nous sommes vos présentateurs. Pendant cette émission, nous aurons des invités qui nous présenteront leur passion et leur sport. Et des activités qu'on a fait cette année. Nous allons commencer par accueillir Louane qui va nous présenter son sport, le judo. Bonjour Louane. Bonjour. Donc parle-nous de ton sport, le judo. Le judo, j'aime beaucoup ça. J'en fais depuis que j'ai 4 ans. Du coup, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Puis après, je me suis dit, je vais en refaire un peu. Puis ça m'a beaucoup accroché. Et tu es dans quel club ? Je suis dans deux clubs. Je suis dans Châteaubourg et aussi celui de Montauban de Bretagne. Donc, explique-nous un peu les règles ou les règles du judo. Par exemple, quand on fait des compétitions, il y a un salut spécial. Il y a un salut spécial, il y a des juges. Et on salue aussi les juges en guise de respect. Ok. Et quelles sont les difficultés du judo ? Qu'est-ce qui est dur ? Je n'en trouve pas vraiment. C'est quand, en fait, il y a des catégories. C'est le poids, quand on fait des compétitions. Je pense que ce qui est plus dur, c'est de combattre contre une catégorie au-dessus. Okay. Et donc, tu es quelle ceinture ? Orange-verte. Ah. Et tu penses continuer l'année prochaine ? Oui, je pense. Okay. Et l'année d'après aussi. Et l'année d'après aussi. Ah, tu veux continuer tout le temps. Et tu aimes beaucoup ce sport ? Oui. Ok. Super. Merci. Merci beaucoup. Pour cette interview. Merci. Et bonne continuation pour le judo. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons voir la vidéo d'Ethan qui va nous expliquer comment faire de la batterie et nous faire deux démonstrations. De la batterie. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une batterie et ensuite je vais vous expliquer comment on joue la batterie. Déjà, une batterie est composée d'une charlet, d'une caisse claire, d'un petit tom, un moyen tom, une cymbale crash, un grand tom et une grosse caisse. Alors, un droitier comme moi doit mettre sa main droite sur cette charlet et sa main gauche sur la caisse claire. Je vais vous montrer un exercice très très simple pour jouer de la batterie. Il suffit de compter jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons compter jusqu'à 8 sur cette charlet. 1, 7, 8. Ensuite, la caisse claire. Nous allons l'utiliser sur le 3 et le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour terminer, la grosse caisse. Nous allons l'utiliser sur le 1 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà comment on joue la batterie. We'll be right back.
Donc, c'était la vidéo d'Ethan, qui a d'ailleurs très bien joué. On a aussi appris qu'il a commencé la batterie à ses 10 ans. Et c'est son père qui lui apprend à jouer. Il fait ses cours de batterie le mercredi, samedi et dimanche soir. Et son père a l'air un grand passionné de batterie. Donc c'était super. Merci à lui. Merci d'avoir fait la vidéo et merci Ethan. Au revoir. Maintenant, nous allons appeler Malo qui va nous présenter sa passion, le hand. Bonjour Malo. Bonjour Malo. Parle-nous un peu de ton sport. Quelles sont les règles, les difficultés ? J'ai commencé le hand à mes 5 ans. Les règles, ce qu'on peut faire, c'est dribbler, faire des passes. Les difficultés, Tu trouves ça dur ou non, t'as un bon niveau au hand ? Oui, ça va. Tu fais partie de quel club ? Châteaubourg. Et ça tient vraiment à cœur. Le hand. Oui, j'aime bien ça beaucoup. Et tu vas avoir des matchs de hand ? Tu vas avoir des matchs de ton équipe préférée ? C'est qui ton équipe préférée ? C'est son. Et ils sont forts ? Ouais. Ils sont à mon niveau. Et j'ai appris que tu changeais de collège pour te consacrer plus dans ta passion, le hand. Pourquoi ? Parce qu'on m'a proposé d'y aller, du coup j'ai accepté. Ouais, t'as été repéré. Tu veux nous parler encore de ton sport ou il n'y a que genre faire des passes et qu'il n'y a que ça comme règle ? Non, on peut marquer aussi. Hein ? T'as des copains qui en font ou pas ? Oui, en 5e dans ce collège-là. Ok. Et en 6e, il y en a ? Non. Merci d'être intervenu. Et bonne continuation dans ton nouveau collège. Au revoir. Alors maintenant, passons à la présentation de Tim. Une vidéo faite par Héloïse. Donc merci à elle. Voilà Héloïse. La vidéo et voici Héloïse, ici présente, qui l'a faite. Bonjour. 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 Elle était très bien ta vidéo, mais merci. Est-ce que tu peux nous parler de Tim ? Alors, on est arrivé, on s'est installé. Après, on est allé dans le grand chapiteau où ils ont réuni tout le monde.
Après, on a mangé. L'après-midi, on a fait des jeux. Après, on a mangé au soir. Il y avait un grand concert avec un groupe de chants religieux assez connu, Be Witness. Le lendemain, on a rangé nos affaires. Après, on est re-allé dans le chapiteau. Et l'après-midi, il y a eu une grande messe. Je vois que vous avez fait beaucoup de choses. Et ça a duré combien de temps, le séjour ? 2 jours, du coup. Et c'était où ? À Cariadem, à Saint-Malo. Et... Donc, t'as trouvé ça sympa ? Oui. Il y avait des copines avec toi ? Oui, il y en avait beaucoup. Et c'était bien dans la tente ? Oui. Donc, tu t'es beaucoup amusée. Bon, ça devait être super. Est-ce que t'as autre chose à dire ou... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, merci à toi d'avoir fait le montage. Et merci d'être venu. Merci, au revoir. Au revoir. Dans quelques instants, nous allons écouter un témoignage concernant la marche pour l'Ukraine présentée par Clémence et Amy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour Amy. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la marche parrainée ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, tu commences. C'est un rassemblement de personnes pour l'Ukraine, pour donner de l'argent à l'Ukraine. Qui sont en guerre en ce moment. Ah oui, c'est ça. On a... le vendredi 6 mai, on est allé vers 11h30 au parc Théo Bottier. À Châteaubourg. Oui, à Châteaubourg. Et Monsieur Villemain, l'animateur pastoral et un surveillant, nous a donné les informations et les explications. Après avoir mangé, des bénévoles du collège nous ont montré le circuit. Et à chaque tour que nous faisions, nous avons un tampon. Et Amy va vous expliquer ce qu'était le tampon. Comme elle l'a dit, à chaque tour, on avait un tampon qui disait combien de tours nous faisions. Et plusieurs jours avant la marche, nous avions demandé à des personnes de devenir parrain ou marraine pour la marche. Et chaque parrain d'accord nous donnait 1 euro ou plus par tour. À chaque, okay. Et à chaque tampon, on gagnait de l'argent que nos parrains. C'est ça. Okay. Et, donc ça vous a plu ? Oui. Il y avait une bonne ambiance, vous étiez beaucoup. On était beaucoup et il y avait de la musique, donc ça faisait une bonne ambiance. Et ça a été organisé par le collège Saint-Joseph ? Oui. Et tout l'argent gagné a été déversé à l'Ukraine. Pour les aider en temps que guerre, en temps de guerre. Merci pour cette interview. Et on espère qu'ils ont pu avoir beaucoup d'argent. Merci. Ouais. Au revoir. Donc maintenant, une interview de... Arthur Baudin. Arthur, qui va nous parler de la pièce de théâtre qu'on a fait cette année. Avec les 6e D. Qui s'appelle « La terre qui ne voulait plus tourner ». Bonjour Arthur. Bonjour. Donc, parle-nous de la pièce de théâtre qu'on a fait. Plutôt parle-leur. Avec les 6e D. Notre professeure principale, Madame Madeleine, elle a postulé en projection sur les planches pour faire une pièce de théâtre à Rennes. Donc après, on a fait 4 jours de répétition au presbytère avec Jérémy Audrey, oui, à Châteaubourg. Et ensuite, on est allé à Rennes une journée pour répéter, voir comment c'était avec les projecteurs, tout ça. Et vendredi, on a fait la représentation devant 6 classes. Et après, on a regardé leurs pièces. Jérémy Audrey sont les personnes qui nous ont... Les acteurs, pas les acteurs, ce sont des comédiens. Oui, okay. Oui,
Donc ils s'y connaissent un peu en... Oui, forcément. Ok, merci. Est-ce que toi, t'as trouvé ça dur d'apprendre Pas les paroles. Le plus dur, c'était de les jouer. Mais après, les paroles, c'était assez facile à apprendre. Et devant tout le monde, il y avait un peu de stress ou pas? Ça va, presque pas. Et tout le monde arrivait à se coordonner qui fait quoi? Oui, on savait. On savait en fait qui faisait quoi. Du coup. Et les gens, ils ont bien... les personnes qui vous ont regardé, ils vous ont fait un petit compte-rendu. Ils ont bien aimé? Pas du tout. Ok. Donc merci à toi. Ouais. Et on va aussi du coup vous montrer une vidéo... Sur la répétition de la science sur les planches. Pouvez-vous me dire pourquoi la Terre s'est arrêtée de tourner? Avant de répondre, je pose mes conditions. Je vous écoute. Je veux être sûr que vous ne souillerez plus la forêt où je cueille mes herbes qui guérissent. C'est tout? Je veux être sûr que vous ne souillerez plus la rivière où je puise l'eau pour mes filtres magiques. C'est tout? Que vous laisserez vivre les serpents dont j'extrais le venin. C'est tout? Que vous ne troublerez plus la pureté du ciel pour que je lise les messages des étoiles. Ça fait beaucoup de conditions pour un petit renseignement. C'est oui et c'est non. On verra. Vous ne verrez rien du tout. Donc, c'était une vidéo d'une des scènes de notre pièce de théâtre. On a beaucoup aimé... jouer devant tout le monde, c'était super. Et merci Arthur de nous avoir... Pour ton interview. Attention. Donc maintenant, nous allons vous présenter le livre des monstres qu'on a fait avec la classe. Donc, particulièrement deux monstres que deux élèves ont fait. Et on appelle Emilien qui va nous présenter le monstre qu'il a fait. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est, comme vous l'avez dit, c'est plusieurs monstres. Un monstre par élève de la classe. Et deux ont été choisis. Et c'est des monstres qu'on a fait, qu'on devait faire avec des pièces... qu'on a trouvé dans la classe. Et on devait aussi faire un texte pour présenter notre monstre. Et, on a tout fait de A à Z. Okay. Du coup, le mien, c'est Noupi le nuage. C'est un prédateur féroce et sanglant. Il est fait de nuages et il capture ses proies grâce à son corps fait de nuages. Et puis, il les tue grâce à ses griffes. Il fait 5 mètres et 2 mm d'épaisseur. Voilà. Merci, Emilien, de nous avoir présenté ton monstre. Au revoir. Et maintenant, nous allons appeler Amy, qui va nous présenter son monstre. Tire-bouchon. Bonjour Amy. Rebonjour Amy. Rebonjour. Rebonjour. Donc, présente-nous ton monstre. Mon monstre a des pieds en bouchon et un corps dans de sortes de fils. Et il paraît bête, mais il est en réalité très intelligent. Il vit en meute et a été découvert en Amazonie. Donc... il peut anesthésier très facilement un éléphant et le tuer. Il mange justement des éléphants et des hippopotames. Ok. Merci de nous avoir présenté ton il monstre. Il est très beau, et très original. Au revoir, Annie. Au revoir. On voulait aussi vous présenter... c'est à peu près la même chose. C'est des monstres, mais là, c'était plus un projet... De français et avec Madame Galou et avec Madame Cano, documentaliste de Célie. Documentaliste. Documentaliste, excusez-moi.
Donc, le premier monstre, c'est le basilic. Une petite anecdote pour commencer. Dans Harry Potter, le regard du basilic tue instantanément ou pétrifie. Le basilic est une bête issue de légendes, souvent présentée comme un reptile. Ses origines, il a été inventé dans l'Antiquité. Il apparaît ensuite dans des bestiaires. Il apparaît dans certaines œuvres comme One Piece, c'est un manga, et Harry Potter, la Chambre des Secrets. C'est le deuxième épisode de Harry Potter. Et un autre monstre. Donc, cette fois, c'est le monstre du Loch Ness, aussi appelé Nessie, qui vit plutôt dans un grand lac vers le nord de l'Écosse. Et on a aussi une anecdote. En 1934, quelqu'un a pris une photo de Nessie qui sortait de l'eau. Mais malheureusement, c'est qu'un trucage, du coup. C'est une légende. La différence entre les monstres qu'on vous a montrés, c'est que les deux derniers qu'on a montrés étaient plus des monstres qui existaient déjà. Des monstres de films ou de légendes, des choses comme ça. Et les monstres qu'on vous a présentés là sont des monstres qu'on a fait nous-mêmes. C'était plus des monstres créés, inventés. Voilà. Inventés, voilà. Donc, merci à Emilien et Amy. Et ensuite, nous allons voir le film sur le harcèlement que toute la classe a fait. Plus particulièrement, Amy et Clémence. Qui ont réalisé le montage. C'est une salope. Non mais sérieux, vous avez cru que j'étais pote avec ça? Vous voulez que je fasse quoi? Je suis pas sa mère. Je vais pas m'en mêler, c'est pas mes histoires. Oh ça va, c'est pas grave. Si j'étais à sa place, elle m'aurait sûrement pas défendu. Il y a des gens pour t'écouter. Madame ? Oui ? Je voulais vous parler de Laura. J'ai vu des choses et je crois qu'elle a besoin d'aide. Hé Laura ! T'inquiète pas, hein, ça va s'arranger. As-tu un coup de main ? Le harcèlement, c'est pas du cinéma. Témoigner, c'est pas balancer. Avec des paroles, on peut sauver une vie. En parler, peut tout arrêter. Et toi ? T'aurais fait quoi ? Bonjour, Émilie et Clémence. Bonjour.
Merci d'avoir fait cette vidéo qui était très émouvante. Qui était très bien faite d'ailleurs. Mmh. Merci. On a beaucoup aimé le montage et jouer un rôle dans le film. Donc, est-ce que vous pouvez raconter aux téléspectateurs c'était quoi le projet du film sur le harcèlement? Bah, on devait faire ce film pour le montrer à cette émission pour dire que le harcèlement, c'est pas bien, c'est... Faut arrêter. Oui, voilà. Et comment... Il y a un professeur particulier qui vous a aidé à faire le montage de cette vidéo? C'est pendant les heures de techno qu'on les a fait avec Monsieur Rousseau. Mais on n'a pas vraiment eu besoin de Monsieur Rousseau parce que on savait un peu faire déjà. Et il y avait un intervenant qui est venu pour vous montrer comment il fallait faire. Oui, il y en a eu un, mais on a changé entre temps de site pour le montage. Okay. Et vous avez aimé faire ce projet, ce montage, tout ça? Oui, je trouve que c'était bien. Je sais pas si toi aussi. Oui. Ça a été compliqué à faire ou... Un peu, parce que fallait mettre des effets et faire le montage. Enfin, c'était un peu. Mais vous m'avez dit que vous avez déjà eu des connaissances, donc c'était un peu plus. Oui, un peu plus. Okay. Enfin, c'est pas ultra difficile. Quoi. Et en faisant ce film, ça vous a appris des choses sur le harcèlement ou? Ça nous a un peu plus sensibilisés. Ok. Et je vais... Moi, ça m'a émue et interpellée, parce que quand ça arrive, ça peut devenir tragique. Mmh. On comprend. On n'aimerait pas être à la place du harcelier. Merci pour nous avoir, de vous avoir interviewé. Et au revoir. Et au revoir. À bientôt. Donc, merci à l'équipe technique, le son, la régie et les caméramans qui peuvent venir et les invités. Merci à tout le monde. Et merci à vous d'avoir regardé notre émission. Et on espère que ça vous a plu. Et ça a été fait entièrement par les élèves. Oui, je suis dans la pêche.